Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Y, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur Just Cause 3. Mon premier tuto et ma première vidéo sur Just Cause 3 en même temps. Donc ça tombe bien, hein, voilà. Donc Just Cause 3, un jeu magnifique, hein, comme vous le voyez. Je l'ai obtenu il y a pas trop longtemps et je dois vous dire qu'il est génial. Moi, je l'ai déjà terminé quasiment, hein, regardez. J'ai déjà tout fait quasiment. 88%, bref. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être comment obtenir le comment il s'appelle déjà? C'est pas là. C'est Vintage, je crois. Voilà, c'est le Wemaraner W3. Donc vous le trouverez jamais sur la route d'une manière normale. Vous êtes obligé d'aller à un certain endroit. Vous avez deux endroits possibles. Vous avez ici. Mais c'est vraiment pas pratique puisqu'on n'a pas de ville avec un garage près. Donc ça c'est galère. Mais sinon vous avez ici. Juste là. Comme ça vous avez une ville avec un garage juste là. C'est super pratique. Donc faut aller ici. Alors je vais m'y diriger. Je vais utiliser le déplacement rapide. Et vous allez voir. Bon voilà, toujours un peu d'attente, hein, évidemment. Super. Donc c'est parti, je vais y aller en une chute. Je pense que je vais vous faire un. Oh bah attendez. Moi je l'ai pas eu. Dommage. Donc je vais y aller en une chute. Je vais vous faire une avance rapide. Tout le monde, alors c'est pas exactement cette île, c'est celle juste à côté, mais ça change rien de toute façon. Alors, donc vous êtes sur cette île, et là vous verrez, alors, on a la voiture à côté d'une tente. Donc la tente elle est incassable, invincible, hein, vous voyez, il n'y a personne dedans, vous inquiétez pas. Mais sinon, vous avez le véhicule ici, donc vous n'en avez qu'un seul. Donc, je vous laisse tester un petit peu, hein, c'est pas. Il est assez maniable, c'est sympa. Bref, pour le transporter, vous aurez deux solutions. Soit vous vous commandez un hélicoptère et vous allez accrocher votre grappin comme ça à l'hélicoptère. Mais il faudrait que vous avez au moins 6 trucs de grappin. Moi j'en ai que deux encore. Et c'est pas pratique. Alors moi je trouve le meilleur moyen. Vous avez un véhicule aquatique et vous prenez voilà, celui-là. L'Urga. H-Roche. Vous le prenez, vous le commandez. Hop. Vous attendez. Hein. Excellent. Alors. Je mets mon bien dessus. Faites attention de pas trop monter sur la rive comme je viens de faire. Je recule un peu. Parfait. Donc si vous êtes sur PC, vous faites tout simplement clic gauche et ça ouvrira le truc. Alors. Bah après vous êtes pas bête, hein, vous prenez la voiture. Vous allez vous positionner, n'y allez pas trop vite, sinon voilà, ça casse tout, comme ça. Bon, c'est pas grave, c'est cassé un peu la voiture, de toute façon on s'en fout. Faut pas qu'elle explose quoi. On referme. Et alors là, vous devrez aller avec la carte. Ici, hop, donc clic droit, passer un point de passage sur le garage. Et c'est parti, on va y aller. Et là bah je vous ferai un petit avance rapide parce que c'est faut aller là-bas quoi, c'est tout.
Bon, et bien, re les amis, c'est bon, on est arrivé au niveau de la rive, donc positionnez-vous ici à peu près, c'est bien. Donc là, vous pouvez remonter, on s'en fout. Hop, 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 hop. Ouvrez le truc. Vous prenez votre voiture, vous taillez tout simplement. Et donc vous inquiétez pas, il devrait pas casser, hein, soyez un peu prudent. Mais... C'est un véhicule relativement solide. Donc débrouillez-vous, passez où vous voulez. Tiens, on va essayer de passer ici peut-être, c'est pas mal. Voilà. Oups. Donc voilà, vous passez ici. Si vous avez mis un point de passage sur le garage, ce sera bon. Hey! Je fais quoi? Bref, et voilà. Là, c'est tout, tout simplement. Rico, on bon, a plus besoin moi, je l'ai déjà fait, là. Donc ça sert à rien. Mais... Voilà, donc je vous montre un peu la résistance. Hein. Je vais essayer de foncer dans un truc. Voilà, on va essayer. On va voir ce que ça donne ici. Je vais essayer de foncer dans la maison, là. Ou non, je vais prendre de la vitesse. Bon, par contre, il n'est pas extrêmement maniable. Ça, c'est pas... Vous voyez que ça c'est rapide, on a une moyenne de 130, donc c'est sympa, regardez, je fonce très vite dedans, hein. Elle fume pas la voiture, elle va bien, donc bon voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos aussi, hein. Je compte faire d'autres tutos sur Just Cause 3, et peut-être même un let's play ça se trouve. Et puis voilà, hein, mettez le j'aime, faites partager, abonnez-vous, et puis je vous dis à la prochaine vidéo, bye bye.